a la chance à Mulhouse de pouvoir proposer du haut niveau grâce à la Pro B féminine avec des joueuses de talent. Nathalie Cahoro qui a été dans les meilleures jeunes françaises, elle fait partie de l'équipe de France même en senior. Avec une joueuse chinoise donc du monde du tennis de table qui est la Chine, qui est venue ici à Mulhouse pour jouer à haut niveau, qui a trouvé le haut niveau chez nous. Et Katalina Gatinska qui elle a participé à de multiples championnats du monde et d'Europe, je crois plus de 20 en tout dans sa carrière, et qui sort des qualifications olympiques à Luxembourg où elle a failli décrocher son billet pour les Jeux Olympiques. Derrière nos trois titulaires, nous avons quand même une réserve avec Edeline Langert, qui est de formation alsacienne, qui a été formée ici en Alsace et notamment à Mulhouse, et d'autres joueuses telles Marine Herret ou Lefke Hollander, qui sont également du cru alsacien et qui peuvent dans les futures années prétendre à des places de titulaires en Pro B. Moi, mon plus beau souvenir en tant que jeune coach de la Pro B, c'est cette victoire sur Quimper qui est venue ici en leader et qu'on a défait 4-1 avec de superbes matchs et une super ambiance avec un public qui est particulièrement, qui nous a particulièrement soutenus ce soir-là, mais qui est également présent dans tous les matchs et qui nous soutient depuis les trois saisons où nous sommes en Pro B, et pour ça on peut les remercier. Et puis les inviter à venir encore plus nombreux pour nous soutenir, parce que nous allons viser le podium encore cette saison et les saisons à venir. Bienvenue au Mulhouse Tennis de Table, nous vous accueillons pour la saison de Pro B Dames. Venez nombreux pour vivre une saison des plus passionnantes.